Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc comme vous le constatez aisément, je vais beaucoup mieux. J'ai encore mal, j'ai mes cicatrices qui travaillent et tout ça. J'ai encore mal un petit peu à l'intérieur, j'ai du mal à dormir sur le côté, surtout du côté où je dors d'habitude. Mais sinon ça va, donc voilà. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. Tous les jours, vous prenez de mes nouvelles et tout, ça me touche tellement. Il y a un camion. Donc, je suis enfin maquillée. Je viens de vous tourner le haul AliExpress que vous avez déjà eu, que je vous remets en barre d'infos. Et voilà, là, je vais m'amuser à faire mon petit mix de strass, faire le montage. Et voilà. J'aimerais bien, si Chérie est motivée, qu'on fabrique un espèce d'arbre à chat pour les chinchillas. Enfin, d'arbre à chinchillas. Pas pour les accrocher, hein. Voilà, c'est pas Noël, mais une espèce d'air de jeu, d'étagère de jeu, pour qu'ils puissent sautiller et tout ça, pour quand on est là, dans le salon. Si j'arrive à lui décider, je vous montrerai en vlog ce que ça donne. J'essaierai de vous montrer aussi quand ils sont lâchés. Là, je vous prends dans le bureau parce que monsieur est en congé pour 15 jours. On est content. Et donc, il va me pomper les chauds. Et là, ils sont tous les deux en bas avec Sam. Je peux pas vloguer en bas. Ah oui, je ne vous ai pas dit l'heure, il est 13h11. Ah, 13h11, j'avais mangé, j'ai faim. Je vous ai quitté vendredi. Le vendredi où je venais d'apprendre post-op. Je me suis fait opérer vendredi. Hein. Oui, vendredi soir post-op. Donc j'étais hyper flagada. Forcément, c'était pas le vlog le plus intéressant du monde. Hein, voilà. Le vendredi soir, j'ai eu un peu de mal à dormir parce que j'avais mal, je ne savais pas comment me coucher et tout ça. Le samedi, je pouvais donc rentrer, mais je devais attendre que le chirurgien passe pour me donner les informations concernant mes fils et tout ça, les pansements et tout ça, tout ça. Sauf que je ne l'ai jamais vu. Enfin, j'ai attendu. Normalement, il était censé passer avant 9h au matin. Donc j'ai attendu, 11h30, toujours personne, midi, toujours personne. Donc j'allais fumer, puis je remontais, je redescendais fumer, je remontais. Et à un moment, je remonte d'avoir été fumer ma cigarette, et là, on me dit, le chirurgien vient de passer. Et ben voilà. Donc elle a juste dit à ma collègue de chambre, ma voisine de chambre, que je pouvais sortir, et que j'avais qu'à suivre ce qui était noté sur les papiers. Sauf que sur mes papiers, il n'y a rien de noté. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour mes filles. Hein. Je ne sais pas si je vais les faire enlever ou quoi que ce soit, voilà. Après, l'hôpital m'a téléphoné pour me dire que j'avais oublié des papiers chez eux. J'ai pas oublié de les prendre. C'est vous qui avez oublié de me les donner. C'est pas la même chose, hein. On est d'accord. Donc, du coup, je dois retourner à l'hôpital chercher ça. Et j'espère que ça sera expliqué pour mes fils. Voilà. Sinon, chérie a pris une photo. S'il l'a gardée, je vous l'affiche. Une photo de mes cicatrices. Mon Dieu, à mon avis, enfin des fils et tout ça, là. Ça sera des très, très, très moches cicatrices. Alors, d'accord, j'ai la peau toute tripée et tout ça, c'est pas évident. Mais comme il disait chérie, on a l'impression qu'ils ont pris deux plis et qu'ils ont cousu des deux plis ensemble, quoi. Ça avait pas l'air. Je sais pas ce que ça va donner à la fin. Bon, après, mon ventre est déjà pas beau, donc je m'en fous un peu. Par contre, il m'a dit il y a certains endroits où je suis toute bleue autour des plaies, donc ça c'est un peu bizarre quand même. Et voilà, j'ai une boule ici, et encore là, elle a vachement diminué, mais j'avais une boule vraiment hier, jusqu'à hier, où il m'avait fait le deuxième cathéter, puisque le premier m'avait piqué juste ici aux urgences, donc je pouvais pas plier le bras, hein, pas chiant du tout, une semaine sans pouvoir plier le bras. Donc pour finir, ils m'ont enlevé et m'ont remis ici le jour de l'opération. Et j'ai eu 50 000 prises de sang, tout le temps dans la même veine. Donc j'avais aussi un bleu qui s'est déjà bien résorbé, et on le voit encore un peu ici, mais voilà, ils m'ont fait prise de sang sur prise de sang, ils me réveillaient la nuit pour me faire des prises de sang, j'en pouvais plus des prises de sang. Bref, et dimanche, donc samedi je suis rentrée, j'ai été dormir quasi instantanément, j'ai fait le montage du vlog après, comme ça j'ai pu vous poster dimanche. Il y en a qui m'ont gueulé en me disant mais reposte-toi, le vlog ça peut attendre et tout, mais ça me manque moi, là je suis toute heureuse d'avoir pu filmer cette vidéo et ce vlog, et ce début de vlog, et là j'ai très mal au ventre, il va falloir que j'aille manger. Voilà, donc cette semaine, je vous dis pas ce qui va se passer parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais vous montrer les caches, les chichous quand même, parce que là, il serait largement temps. Hein. Ça fait un mois que je vous le dis et que j'ai toujours pas montré. Je vais vous montrer Luna aussi,
Putain, elle a doublé de volume sur une semaine que j'étais pas là. Elle a doublé de volume. Comme disait Amy, la première photo que je lui avais montrée, c'était un têtard. Ensuite, elle est passée à l'état de crevette. Là, on est déjà à la bonne langoustine, quoi. Ouais. Un beau petit morceau, hein. Une petite teigne aussi. Hein. Bon, ils étaient tous contents de me revoir, hein, forcément, les animaux. C'était dur. Et franchement, ils m'ont manqué, tous, là. Oh là 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 là. Le chien était tellement stressé de mon absence que... donc, je suis revenue samedi. Là, on est lundi. Samedi soir et dimanche soir, il a fait une crise. C'était pas des crises d'épilepsie. Je pense que c'est plus des crises d'angoisse, en fait, tout simplement. À mon avis, il s'est relâché d'un coup le fait que je sois rentrée, parce qu'il supporte pas, hein, quand je suis pas à la maison. Et c'est lié à sa digestion aussi. Je sais pas trop. C'est un peu bizarre ce truc, mais voilà. Enfin, bref, il nous a fait deux crises. Alors, ça faisait facilement 3 mois qu'il nous en avait pas fait une, depuis qu'on lui a rechangé totalement son alimentation. Donc plus du tout de céréales en fait, et depuis il en avait parfait. Donc là, soit il y a eu, enfin il y a eu un petit peu du stress, et je le soupçonne aussi fortement d'avoir été récupérer un très 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 vieil os dans le jardin où il fait la réserve de bouffe. Je rêve ou on siffle? Non, je crois pas que c'est mon concif quand même, c'est pas possible. Si monsieur commence à me siffler, ça ne va plus le faire. Donc voilà pour ce petit début de vlog. Sinon, oui, j'ai beaucoup mieux. Je vais vous montrer peut-être, chérie m'a changé les pansements hier. Donc on a racheté des effets seconde peau comme ça. Comme ça, c'est. Donc j'en ai un ici. J'en ai trois ici en dessous. Vous voyez pas. Voilà. J'en ai trois ici en dessous, plus un ici. J'en ai pas d'autres, je crois. Donc, vous voyez, avec mes plis, le pansement, il fait un peu. Mais celui-ci, c'est un tout petit cran de rien du tout. Mais alors, à ce qui paraît, ici, là, c'est juste au-dessus du nombril, donc il fait super mal. Et ici, ils m'ont pas mal raté. Ici, ils m'ont blessé aussi. Mais bon, écoutez, hein, au moins, j'aurais plus ces affreuses douleurs que j'ai eues la semaine dernière. Parce que je souhaite ça à personne, quoi. C'était tellement douloureux, c'est affreux. Oh là là, j'ai jamais eu aussi mal. Même après ma sleeve, j'avais pas aussi mal. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit par rapport à mon week-end. Dimanche, j'ai rien fait de spécial, hein, j'ai dormi. Dormi, m'occuper un peu de YouTube et tout ça. J'ai plus de rouge à lèvres, forcément. Par contre, j'ai le nez complètement explosé. Donc là, vous voyez pas parce que j'ai du fond de teint dessus, hein. Mais ça croutine tellement je suis irritée. Que si vous avez vu dans mon vlog spécial hôpital, là, j'ai le pif le lendemain de la première opération, enfin, du premier examen sous anesthésie. En salle de réveil, il m'avait mis l'oxygène dans le nez. Ça coulait, mais de l'eau pendant 3 jours. Et du coup, je suis toute irritée à l'intérieur, à l'extérieur. Ça remonte jusque-là, ça descend jusque-là. Mais pour l'instant, j'ai bien comme. Ah non, ici, on voit déjà parce que je me suis mouchée. Ça redevient bien rouge-rouge et j'ai des plaies à l'intérieur du nez. Ça fait hyper mal. Et si vous avez une petite croutinette et que vous arrachez, ça fait super mal aussi. Voilà, donc j'étais bien contente de me maquiller ce matin. Je vous montre peut-être un peu plus près ce que j'ai fait. Voilà, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Je me suis juste un peu amusée avec mon liner, comme d'hab. J'ai pris la palette The Child de Colourpop parce que ça faisait hyper, hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et voilà, là je vais aussi bientôt tourner un décloteur parce qu'il faut que je fasse un peu le tri. J'ai beaucoup trop de choses de nouveau. Après, j'aimerais bien trier quelques palettes, mais celles qui restent, j'ai pas envie de m'en débarrasser donc ça va être un peu tendu. Si, peut-être les Beauty Glaze là quand même parce que je les utilise plus, je sais pas. On verra bien, on verra bien. Bref, bon, bah écoutez. Pour l'instant, je vous laisse. Je ne sais pas si je reprendrai tout à l'heure pour vous montrer la cage quand Sam fait peut-être une pause de jeu et qu'il n'y aura que monsieur en bas. Je ne sais pas. Peut-être vous montrer un peu Sam aussi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Georges. On verra bien. Là, je vais faire le montage du hall. Manger. D'abord manger. Surtout manger. Bon, il est 16h, enfin pas tout à fait 16h, il est 4h moins 10. Je vous prends pour vous vlogger les chichous parce que chérie vient de les faire sortir. Alors comme ça, je peux vous montrer la cage, enfin. Bonjour Georges. Ah ben oui, vous ne l'avez pas vu depuis 15 jours, 3 semaines là. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Toujours fatigué. Toujours fatigué. Il est 16h et monsieur s'est levé à. Eh, je me suis réveillé à 11h. À 11h et t'es descendu à. C'est qui ça? C'est la là. 11h30, midi.
Ouais, plus midi, je pense. Donc là, bien sûr, il est en train de jouer, mais comme on a mis l'enclos pour les chichous, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les améliorations de la cage que monsieur a fait. Et elle commence vraiment, vraiment à être presque terminée. Là, il ne manque plus grand-chose. Je vais vous expliquer quand je vais être dans la cage. Je vous montre d'abord l'enclos et la cage de gros goût qui ne restera plus dedans que 3 petites semaines maintenant. Donc après, elle sera rangée. Après, ça sera Queenie. Et après, il faudra mettre Queenie ou Luna dedans pour le sevrage. Je vais voir comment ça se passe. T'as vu, attends, elle a triplé de volume déjà. Je vais essayer de vous la montrer. Parce qu'elle court là aussi dehors. Monsieur la surveille parce que c'est une petite teigne. Bon, je vous montre ça. Gros goût. C'était vraiment 2 secondes. Donc voilà, gros goût qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Hey. Bon, et mon goût. Pour les voir courir, il faut se lever tôt hein, parce qu'ils vont hyper vite. C'est vraiment rapidité Flash McQueen. Il est où mon gros goût? Gros goût. Il est caché où? Ben, tu peux pas rentrer à Lilo? Non. Non, parce que le gros va vouloir rentrer aussi. Gros goût, viens. Viens après, maman. Viens. Gros goût, viens. Et gros goût qui n'écoute pas. Viens après, maman. Viens dire bonjour les gens. Viens dire bonjour les gens. Vous vous amusez à deux? Il est parti dans l'autre sens. Viens dire bonjour les gens. Regarde. Gros goût. Viens dire bonjour les gens. Ah, mais ça c'est trop près. C'est trop près, il te voit pas bien. Derrière le canapé, en fait, ils savent passer là en dessous du radiateur. Et j'ai mis des planches comme ça, par-ci, par-là, pour qu'ils puissent monter et descendre. Vas-y, pépé. Il y a plein de petites crottes. Et voilà. Et puis, on va essayer de leur améliorer ça. C'est ce que j'aimerais bien faire, mettre quelques planches ici au-dessus. Laisse mes pantoufles. Et leur faire un espèce de petit mur d'activité, en fait, pour qu'ils puissent monter plus haut et s'amuser. Voilà, donc là ici le seul truc qu'on doit surveiller c'est la prise là, parce que ça mange les câbles électriques. Ça c'est l'enclos, voilà, on se sert. Bonjour les chiens. Bonjour les chiens. Alors c'est pas les chiens qui sont en cage, hein, parce que là il fait sa petite tête de malheureux. Tu dis bonjour les gens. Bonjour les chiens, Propro. Propro, dis bonjour les gens au lieu de faire la gueule. Non Lilou, toi tu rentres pas, il y a Lilou. Et Lilou, elle dit bonjour les gens, Lilou. Tu veux rentrer? Non, pas maintenant. Donc on met l'enclos comme ça tout le long du salon, voilà, jusque là. Alors maintenant Gros Goût a trouvé pour monter sur le meuble télé, donc ça c'est la grosse merde, il faut qu'on trouve une solution. On a barricadé le bureau de monsieur et tout le reste est pour eux. Voilà, on leur a fait un petit truc là, mais on va améliorer ça, j'espère peut-être après avec monsieur s'il est motivé. J'aimerais bien faire toutes des petites étagères, des petites hauteurs différentes pour qu'ils puissent jouer. S'il est motivé. Après, ils sautent aussi sur le canapé et sur la table. Et là, ils ont leurs petits jouets. Et puis, il y en aura d'autres qui s'ajouteront au fur et à mesure. On a aussi un tout long tuyau comme ça en plexi là, pour les évacuations, pour leur mettre rajouter quand ils commenceront à en passer dedans. Mais ils ne sont pas encore passés dans aucun des tunnels. Hein. Luna, elle joue dans celui-là, mais pas les autres. Donc là, on a la petite cage de gros goût avec la caisse... des crasses de corps rangées. Donc on a ici son petit hamac bleu que je vous ai montré dans le vlog, sa bouboule. Ça c'est une étagère que Chéri a fait lui-même. Elle est super bien. Franchement, c'est vachement mieux que les trucs en plastique qu'ils mettent dans les cages à chinchilla. Donc voilà, elle est sur 2 étages. Le petit bac à foin, je vous ai déjà montré, sa gamelle. Et le panier. Ah, il faut que je vous montre son panier en osier. Regardez l'état du panier. Voilà. Il l'a bouffé. Il l'a détruit quoi. Donc je lui ai mis celui-là à la place, il faut que j'aille acheter un rectangulaire chez Action, mais en attendant, je lui ai mis celui-là. Voilà, voilà. Et donc là, on a la cage des filles. Ah, il y a Luna là, calme monsieur. Oui, mais... Regardez comme elle a grandi. Luna, petit bébé Luna, coucou. Regardez la teigne, regardez la teigne. Elle est vif, hein, elle est super vif. Et là derrière, il y a Gros Goût, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Gros Goût ou c'est Queenie là-bas? Non, c'est Queenie. Non, c'est Queenie. Non, tu passes pas derrière. C'est mes mères Queenie. Ah, non, c'est Queenie. Viens, Queenie, viens voir la petite. Viens montrer ton gros cucu. Viens voir Luna. Viens montrer ton gros cucu à la vidéo. Viens voir Luna. Regarde, Luna, elle est là. Queenie, viens, mes mères. Viens voir Luna. Ouais, voilà son gros cul, regardez. C'est une grosse cochonne. Elle fait que manger, c'est sa passion dans la vie. Non, hein? Tu viens par ici. Écoutez, tais-moi, louloute. Hop, c'est ça. La femme, il va jouer avec Luna, c'est sa copine. Luna. Non, tu viens par ici. Alors, je vous avais montré une photo d'elle, bébé. Hein. Bah, je vous jure, elle a triplé de volume. Elle a doublé rien que sur une semaine.
Qu'est-ce que tu fais? Queenie, gros goût, venez par ici. Bon, on doit surveiller là qu'ils soient sont tous les deux. Parce que il peut la sauter encore, hein, donc j'ai pas envie de revoir un bébé. Bon, bougez-vous de là. Oh, maintenant, il y a que Queenie, là, je vois pas gros goût. Donc, le changement dans la cage, chérie a agrandi la porte. Donc, on a récupéré une façade d'une cage à oiseaux que j'avais pour ma connure. Il a mis ici, c'est les crochets de la cage de transport du chien pour l'ouverture. Hop, donc, il y en a deux, hein, mais il y en a une qui reste ouverte la journée. Voilà. Donc, c'est vachement mieux quand même pour voilà, l'ouverture. Je sais nettoyer maintenant jusqu'en haut. C'est bien. Si papa, si monsieur arrive à attraper gros goût, je pourrais vous le montrer. Il va très bien. Ah, on a Luna qui fait des gâtés à Sam. Tu fais des gâtés à Georges. Voilà, maintenant le porc, tu le fais pas. Voilà, mémère. La petite mémère. Mais. Je vais t'écraser si tu continues. Donc, il n'y a pas eu énormément de changements. Toujours la maison avec mon chouchou en pilou-pilou. Là, Luna, elle adore dormir dessus. Son petit jouet que je vous avais montré dans une vidéo, je ne sais plus, dans un vlog. Donc, j'ai trouvé chez Tom & Co. Je pense que quand on y retournera à Arlon, parce qu'on va aller leur chercher de la bouffe là-bas, on a vu un nouveau mélange pour Chinchilla exprès de la bonne marque. Donc, je pense que je reprendrai une ou deux parce qu'elle les destroy, mais elle adore ça. Le petit panier, le petit truc que je vous ai montré dans mon hall, là que j'ai réussi à arrondir grâce au fil d'alu. Donc Luna va s'éclater parce qu'elle adore. Ça, c'était un plateau donc, de chez Action, comme celui-là. Ça, c'est celle qui venait de la cage. Ça, c'était une petite planche qu'on a récupérée d'une étagère. Monsieur avait fabriqué un... Comment ça s'appelle déjà? Un râtelier, voilà, avec aussi une paroi de la cage. Et puis voilà, leur petite maison, j'ai mis le tapis dessus et le reste, c'est toujours pareil. Ça va pas trop changer, mais rien que l'ouverture, ça change la vie. Parce que maintenant, on a accès jusqu'en haut, jusqu'ici, puisque ça monte. Hein, et du coup, même s'ils sont au-dessus de la maison et tout ça, on sait s'en occuper. Et on sait aspirer ici sans problème. Avant, je ne savais pas parce que c'était un tout petit carré juste ici au milieu de la porte. Je pense que c'est juste ici, quoi, une ouverture d'oiseau. Donc c'est vraiment génial. Je suis bien contente. Monsieur a bien fait ça. Il a fait ça. Il a acheté un rouleau de trucs en métal comme ça. Là, comment ça s'appelle ça, bébé? J'ai plus. Et il a fait des charnières. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis bien contente du résultat de la cage. C'est pile poil ce que j'avais en tête. À nous deux, on forme une bonne équipe. Moi, je suis le cerveau et lui, c'est les mains. Enfin, on réfléchit à deux aussi. Hein. Mais tu veux essayer, toi? Donc, je dois vous avouer que je suis super fière de ce que ça rend. Après, quand ils seront tous les trois dans la cage, ça sera beaucoup plus simple aussi. On gagnera la place de la petite cage qu'une fois que Luna sera sevrée. Quoi. Parce qu'après, on doit les séparer pour le sevrage. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faut que je me renseigne. Mais bon, on a encore un bon mois et demi avant de commencer le sevrage. Donc, voilà. Mais Luna trottine dans sa cage. Franchement, j'avais peur qu'elle tombe. C'est pour ça que j'avais mis le truc pour nettoyer là, en microfibre. Et elle se démerde comme un chef dans la cage. Hein. Elle va à une vitesse. Ah oui, il faut qu'on fixe l'échelle aussi, parce qu'elle n'arrête pas de se casser la gueule la nuit. Enfin, ils n'arrêtent pas de la foutre en l'air pendant la nuit. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, ensuite, je joue. Vous verrez mieux comme ça. Alors, il est midi 20. Donc, je vais aller manger. Là, je vous prends un peu... Alors, il est tard, parce qu'en fait, on vient de passer la matinée à discuter avec lui. Voilà, tout simplement, pendant un long moment. Voilà, parce que Nymphe était jalouse, donc moi j'ai fait des calculs biliaires, et il a fallu qu'elle fasse un calcul rénal. Voilà. Tout ça par jalousie, madame. Bref, donc voilà. On attend des nouvelles en espérant que ça aille vite mieux. Bref, donc un petit Nymphonette, tu sais que je te soutiens. Hein. On a longuement parlé ce matin. Donc là, je range mes pinceaux que j'ai lavés, que j'ai plus grand. Qui était temps que je rentre d'ailleurs. Et je vais préparer un peu ce qu'il me faut pour faire ma colo. Je vais faire ma colo. Et oh, j'ai mal au ventre. Et préparer ce qu'il me faut pour tourner la vidéo Queen du Brésil, là. Que vous avez déjà eu. Hein, je vous la remets en barre d'infos. Mais voilà. Là, c'est mes pinceaux que j'ai utilisés hier. Un bordel sans nom ici. J'aimerais aussi commencer à ranger la partie Vinted, là, les ventes Vinted qui traînent à droite à gauche dans mon bureau pour, comment,
Bah, pour que ce soit rangé, pour quand j'aurai mes meubles. Puisque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne sais plus. Donc, je vais peut-être me répéter, hein, mais ça sera beaucoup ça cette semaine. Chérie m'a dit que je pouvais laisser tomber les 50 euros qui manquaient, 58 euros je devais encore pour la castration du gros bout. Comme ça, j'avais les sous pour, bah, pour mes meubles, tout simplement. Donc là, on attend la paye et puis on ira les chercher à la fin du mois. Donc, ce sera dans un prochain vlog. Je vous montrerai l'installation en vlog, hein, le montage et tout ça. Mais je vous ferai un update room tour quand ce sera fini. Voilà, voilà. Donc, ma colo est rangée près de la salle de bain. Donc, ça, je ferai après. Alors, attendez, parce que j'ai n'importe quoi et je me fais mal au ventre. Je ne suis vraiment pas normale. Bref. Donc, pour préparer mes affaires pour le Queen of the Puzzle, il me faut mes liner cakes, déjà, pour commencer. Donc, je vais préparer mes liner cakes. Je pense que j'aurai juste besoin des néons. Bon, de toute façon, je vais sortir les deux. Il me faut mes petits strass que j'ai récupérés chez ma belle-sœur, mais je ne sais plus où je les ai rangés. Ah, ils sont là. Mon frère est passé hier un petit peu hier soir avec ma belle-sœur pour voir comment j'allais et tout ça, tout ça. Et voilà, donc on a un petit peu discuté bon, pendant un bon moment d'ailleurs. Mais sinon... Par contre, j'ai pas fait de sieste hier et je crois que j'en ferai pas aujourd'hui. Je suis en forme. Je ne sais pas. À mon avis, c'est parce que j'ai trop dormi à l'hôpital. Je suis en forme. Je ne suis pas fatiguée du tout la journée. Et j'ai aussi l'impression que depuis que j'ai pu la vésicule, donc depuis vendredi, j'ai beaucoup moins d'acidité à l'estomac. Donc je ne sais pas si ça peut jouer. Donc ceux qui s'y connaissent, j'ai oublié de demander à Nain tout à l'heure, mais bon, elle est pas en état, elle a d'autres choses à penser. Mais voilà. Oui, donc chez ma belle-sœur, je vous avais montré, il me semble, en vlog, je ne suis plus très sûre, j'avais récupéré les décos qu'elle avait mis sur la table pour l'anniversaire de mon frère. Hein. Donc, je pense que je vais m'en servir. Bon, peut-être pas les étoiles, mais ceux-là, ouais. Pour l'anniversaire de mon frère, elle avait mis ça en déco sur la table. Donc, je pense que ça me sera utile demain. Hein, peut-être ceux-là aussi. Je vais voir, je vais les laisser dehors. On va voir ce qu'on peut faire. Hein, j'improviserai de toute façon parce que j'ai l'idée du make-up des yeux mais pas du reste. Donc ça sera de l'impro total. Mais voilà, quand je pars en freestyle comme ça, vous aimez beaucoup. Donc là je regarde si j'ai d'autres trucs qui pourraient me servir, mais je pense pas. Non, donc ça je vais pouvoir les ranger. J'ai pas de plume. Après, le thème, c'est Queen of the Brésil, hein, pas Carnaval de Rio. Donc, ça peut le faire. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'avais vraiment pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Le facteur m'a rien amené. J'ai toujours pas de nouvelles pour mon collier express, là, que je vous avais parlé. Et, voilà, c'est tout. Ouais. Là, j'avais mangé. J'ai faim. J'ai très, 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 très faim. Donc, je vais préparer ma colo. Comme ça, je pose ma colo. Je m'échauffe à la salle de bain. Je mange. Et après, je vais à la douche. Ça, c'est une idée qui est très bonne. Je ne vais pas faire le bleu dans les longueurs. Je vais juste faire mes racines. Parce que je vais éviter de trop lever les bras quand même. C'est pas forcément bon pour mes cicatrices et tout ça. Et quand Chéri sera réveillé, parce que oui, il dort encore. Hein, il a encore passé la nuit... le PC, je suppose. On doit aller à Arlon, à l'hôpital, rechercher mes papiers là, qu'ils ont oublié de me donner. J'essaye que monsieur m'emmène chez Action, mais c'est pas gagné. On verra bien. Donc ça, on verra. On verra. Voilà, voilà. Bon, écoutez. Je vais faire ma colo, tout ça, et je pense qu'après, je vais commencer à ranger mon bordel vintage. Donc, si je commence à ranger, je vous prendrai, parce que mamie Cachou veut me voir ranger mon bordel, qui est très bordélique. Et voilà. Mais je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain. Demain, il faut que je tourne la vidéo. Donc, j'aurai peut-être pas le temps. Vu que c'est plus de l'artistique, ça prend plus de temps. Ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça après. Ok. Allez, à tout à l'heure.
Parce que je dis n'importe quoi, donc autant couper. Alors, il est 15h, tout pile. J'ai été faire ma colo. Chéri vient de me changer mes pansements. Gros sadique comme il est, il rigole parce que quand il me les arrache, ça me fait un mal de chien. Franchement, je vous jure, ça fait mal. J'ai l'impression qu'on me pique avec tout plein de petites aiguilles comme ça quand il arrache sur ma peau fripée. Bref. Donc, entre-temps, j'ai eu une super nouvelle, donc c'est pour ça que je suis là, il faut que je vous partage ça. J'ai Beauty Bay qui m'a recontacté, enfin, j'ai recontacté Beauty Bay, pour être tout à fait correct. J'ai recontacté Beauty Bay puisqu'elle m'avait demandé de m'affilier à Win, là, justement, grâce à ça, j'ai les liens d'affiliation sur AliExpress, Beauty Bay, tout ça, et pour pouvoir être inscrite à la PR List. Donc là, avec l'anniversaire de mon frère, plus après l'hôpital et tout, j'y pensais plus. Puis là, je me dis, tiens, j'ai plus de nouvelles, je vais un peu lui renvoyer un message. Donc, je lui ai renvoyé un message et 10 minutes après, j'avais une réponse qu'elle me disait, ben, choisissez 4 produits Sample Beauty et un produit sourcil de Beauty Bay et je vous les envoie. Oh, j'étais là, wow, 5 produits en tout. Et c'était quoi son jeu bizarre? C'était ton jeu ou le chat? Ben non, le chat est en haut. Ah, c'est Lilou qui ronfle. Oui, les ding 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 que vous entendez, c'est monsieur qui joue dans le canapé. Du coup, j'ai demandé, parce que bon, la palette, la dernière qui est sortie, la palette Beauty Bay, la Sample Beauty, je la voulais aussi, donc j'ai demandé. J'ai pris deux autres produits, mais ça vous verrez dans la vidéo dédiée. Et je lui ai demandé si le quatrième produit, Sample Beauty, je pouvais plutôt à la place avoir la palette Beauty Bay. Donc elle m'a dit oui. Et voilà, donc bah, écoutez, je suis ravie. Voilà, ravie. Je suis joie. J'étais en train de sauter partout, de faire pipi partout. Voilà, je suis bien contente. Donc, je vais recevoir 5 produits de la part de Beauty Bay et on fera une petite vidéo. La palette Sample Beauty, je la testerai dans la vidéo crash test et je ferai également une palette 3 looks avec puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Et la Wildness, je crois que c'est Wild. Enfin, la Beauty Bay, là, je ferai un swatch de make-up avec. Plus la vidéo crash test des produits, quoi. Voilà, donc ça c'était la nouvelle du jour. Et là, je viens de demander à monsieur, donc j'attends qu'il le fasse, pour ranger mes extensions, parce que c'est un peu le foutoir. Donc j'ai décroché mon porte-manteau, que je me servais pour les accrocher, et j'ai demandé de me remettre des petits crochets ou vis ou n'importe quoi en quinconce ici au-dessus pour que je puisse mieux accrocher mes cintres. Donc voilà, quand il m'aura fait ça, j'irai les ranger, je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà, je pense que je vais commencer à ranger ma pièce en haut, mon bureau, pour mes ventes Vinted, là, pour faire de la place pour quand on ira chercher les meubles à la fin du mois. C'est-à-dire normalement dans 2 semaines. J'ai hâte. Et voilà, donc la journée sera déjà pas mal entamée. J'ai pas fait de sieste encore, il y a du progrès. Je sais pas si c'est parce que ils m'ont enlevé la vésicule que je suis moins fatiguée, ou si c'est parce que j'ai diminué la de moitié mes antidépresseurs. Je sais pas si ça peut... Enfin oui, ça me faisait beaucoup dormir, mais je sais pas. Bref, puis je dors bien en ce moment, donc c'est bien. Voilà, bah écoutez, là il va plus rien se passer de spécial, sauf si monsieur me fait le truc aujourd'hui, je vous montrerai... Bon, de toute façon, je vous montrerai demain, je pense. Je vais y ranger un peu et je vous montrerai aussi ça un peu demain où j'en suis, parce que c'est vraiment le foutoir. Et voilà, donc on suit toujours. Alors là, il est 11h55, je suis en brassière parce que je vais tourner le make-up Queen of the World du Brésil. Voilà, j'ai très hâte de commencer, mais je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avant. J'ai mis le temps pour me préparer, voilà, j'ai pris mon temps, j'avais envie de prendre mon temps, donc j'ai pris mon temps. Hier, j'ai fait mon étagère moi-même, enfin mon petit porte-manteau, je vous montrerai ça tantôt pour accrocher mes extensions. Vu que monsieur s'est endormi comme un gros caca, du coup je les ai fait moi-même et j'ai fait tenir les crochets. J'ai trouvé les crochets, j'ai fouillé dans son bordel et je les ai fait tenir avec du polygel. Donc j'espère que ça tiendra, sinon après il me remettra des petites vis hein, à un moment donné quand ça tombera et que je gueulerai. Voilà. Et j'ai commencé mon rangement ici un peu. J'ai déjà préparé tout pour bouger le meuble rouge. Donc bah, je vais vous montrer de toute façon à un moment donné si je vais vous montrer le rangement, il faut que je vous montre aussi le bordel. Hein, Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je filme avec le téléphone. Hein. Donc, voilà l'étendue du bordel. Sur mon bureau, il faut vraiment que je le range. Mais bon, comme j'attends les nouveaux meubles, enfin, d'aller chercher les nouveaux meubles, je vais attendre un petit peu. Donc, vous voyez ça. La seule partie qui est rangée, c'est mon maquillage, quoi. Voilà. Là, il faut que je range mes strass et tout ça. Mais comme je vous dis, comme je vais changer tout, toute la disposition à la fin du mois, ça m'embête un peu.
Donc mes trucs pour les cheveux normalement sont accrochés ici, hein, donc là je vais les remettre après, pour l'instant je les ai mis là. J'ai du bordel ici, donc ça c'est un carton de trucs que chérie doit trier pour jeter. Là c'est déjà du bordel que j'ai mis de côté. Ce meuble rouge là, donc je l'ai vidé, j'avais pas grand chose dedans par mon stock, donc là j'ai mis mon stock. J'ai fait préparer des cartons et des sacs et tout ça, donc il est vide, j'ai que à bouger ça pour bouger le meuble, et j'aimerais bien le mettre là-bas. Voilà, donc ça c'est toutes mes ventes vintage. Voilà. Et des cartons. Ventes vintage et cartons. Il n'y a que ça. Et bon, il y a une petite partie là, c'est pour le swap. Là, c'est des ventes vintage, mes décos de Noël. Ici, c'est les lots des concours, du concours de Noël que je prépare doucement. Donc voilà. Et j'aimerais bien mettre le meuble rouge ici, mettre l'étagère juste à côté ici. Comme ça, je range mes ventes. Voilà. En fait, j'ai deux coffres là en plastique, mais ils sont pleins. Donc mettre les ventes qui traînent comme ça, j'aimerais bien les ranger dans le meuble rouge juste là. Pareil pour les bouquins et tout ça. Et voilà, il faut que je range ce meuble là aussi. Là, je vais m'en servir du coup pour mettre mon stock. Et là, c'est tous mes trucs que je me sers pour faire les photos Insta et tout ça. Voilà. Donc écoutez. Il y a du boulot, hein. Forcément, je peux pas tout faire en même temps, surtout après l'opération, mais voilà. Donc après, cette étagère-là va virer, puisque je vais mettre mes palettes dans le fond quand j'aurai les deux colonnes. Les deux là vont virer, celle-là et ça, voilà. Plus les caissons Alex et mon plan de travail qui est beaucoup trop grand, en fait, vous voyez, plus c'est grand, plus on met du bordel dessus. Et voilà, c'est quand même un truc de presque 2 mètres, je crois. Ouais, il fait 1m80, je crois, ou 1m60. Donc, c'est beaucoup trop grand, à part pour stocker du bordel, quoi. Mais j'ai pas besoin de tout ça quand je me maquille. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais faire ma vidéo. Puis après, j'installerai mes extensions. Donc, je vous prendrai pour les installer, ça. Je les mettrai donc ici. Faudrait peut-être que je vire mon horloge aussi, qui n'a jamais fonctionné. Merci, Action. Là, j'ai tous les cartons de mes appareils électroniques et tout ça que je garde. Voilà, c'est vraiment un bordel sans nom. Voilà, comme ça, vous avez vu. Et puis, vous verrez un peu le progrès au fil du temps, parce que je ne saurais pas faire tout d'un coup, quoi. Voilà, j'ai fini. Donc, 13h03. Donc, il a fallu 1h15 à peu près pour faire cette vidéo. Maintenant, je vais aller faire le montage, manger d'abord et faire le montage. Donc voilà, j'ai mis mes petits accessoires et tout, que je vais pouvoir enlever de suite. Voilà, 1h15 pour tout enlever en moins de 5 minutes. C'est un peu dommage, mais c'est la vie, ma pauvre Lucette, hein, c'est le jeu, hein, comme on dit. Donc voilà, j'ai même pas fini mon café sur la vidéo. Mais je suis totalement fière de ce que j'ai fait. De toute façon, vous avez la vidéo en barre d'infos, si jamais vous n'avez pas encore vu. Et j'ai mis mes extensions rose. Voilà. Bref. Bon, bah, j'ai plus qu'à enlever tout ça et aller me démaquiller, manger, faire le montage et tout ça, tout ça. Enfin, je vais pas me démaquiller tout de suite. J'ai dû enlever les fossiles. Heureusement que je mets pas beaucoup de colle dessus, hein, parce que sinon, ceux que je peux pas laisser comme ça. Voilà, j'aurais plus qu'à les nettoyer. Je vais donner un coup sur mes binocles. Avec mon t-shirt, tout va bien, tout est normal. Voilà, voilà. Ah, oh, je suis dégoûtée de devoir enlever tout ça. Bon, je vais déjà enlever les accessoires parce que c'est chiant. Je ne trouve plus mes pinettes. C'est un collier. Enfin, je vous l'ai dit dans la vidéo de toute façon, mais... Voilà. J'ai hâte de voir, d'avoir vos retours. Et vous avez eu la vidéo en première et j'ai caché normalement la miniature, le make-up en miniature pour les premières 24 heures. Comme ça, il n'y a pas de spoil pour ceux qui seront... En première, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, moi je vais faire tout ça et puis je verrai après si je vous reprends pour... Bah, de toute façon, je vais ranger mes post-it, ça c'est sûr, parce que ça traîne et ça m'énerve. Et on verra après quelle heure il est, où j'en suis, si je suis fatiguée, si j'ai envie d'une sieste ou pas. Ça fait quelques jours que j'en fais pas d'ailleurs. Voilà, allez, à tantôt. Alors, il est 9h01, très précisément. Alors, je viens d'avoir le suivi de ma palette Dolphin de Révolution. Donc là, je vais préparer ce qu'il me faut pour filmer la vidéo. Comme ça, je peux vous la poster le jour même. Donc, je vais faire un peu de place sur mon bureau parce que c'est un foutoir, tout comme je vous ai montré hier. Hier soir, à 9h30, j'ai rangé mes extensions. Donc, je vais vous montrer juste après. Voilà. Sinon... Pour la
Dolphin. J'ai déjà l'idée de make-up. Donc quand c'est comme ça, je note, sinon j'oublie. Je verrai bien ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que ça donnera ce que j'ai en tête, hein, comme d'hab, mais on verra ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais ranger un petit peu. Je vais vous montrer mes extensions. J'ai commencé à plier, enfin, j'ai plié tous mes cartons qui étaient pliables, parce que j'en ai qui ne sont pas pliables. Et tout à l'heure, ce que je ferai, je déplacerai le linge, ce que je peux porter du moins, parce qu'il ne faut pas que je porte des trop lourdes charges. Et vider la petite étagère, comme ça je vais demander à monsieur qui me bouge les meubles tout à l'heure. Et comme ça je pourrais commencer à ranger dans l'armoire le linge qui traîne à droite à gauche. Ça c'est déjà une idée qui est pas mal. Je vais aussi préparer pour faire la photo de la palette. J'ai plus de place par contre pour le faire, donc je sais pas où je vais mettre ça. Mais j'ai plus de place, voilà. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne pour les extensions. Donc, j'ai pas allumé l'anneau lumineux et tout ça. Hein. J'ai juste ma... mes néons. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne pour les extensions. Je suis bien contente de ce que j'ai fait. Je prends mon téléphone pour le son. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Vous verrez mieux. Voilà. Donc, j'ai rangé... voilà, je les ai accrochés à chaque fois par un crochet. Comme ça, c'est plus diffus que sur les cintres. Donc là, j'ai mis les colorés en sachant que j'en ai deux en commande, que j'attends de valider la commande. Ça, c'est celle avec les mèches vertes. Là, c'est la bouclée. Ici, c'est la lisse. On a les extensions à clip coloré. Ici, une mèche plus mes dazzle air. Et derrière, c'est les postiches, les franches. Et là, j'ai mis mes colliers, du coup, que j'ai enlevé de vider pour garder, pour faire... voilà, des accessoires pour mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai vendu déjà, alors que c'est pour ça que je les gardais à la base. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'idée de nymphe, je vais en avoir certainement beaucoup plus besoin qu'avant. Donc, voilà. Mais écoutez, alors attendez, je retourne vers l'écran pour voir que je sois bien centré. Je vous reprends tout tantôt. Pour le rangement, je vais ranger un petit peu avec vous, je pense. Je vais vous montrer l'autre côté aussi, parce que je vous montre que la moitié des choses. Ça commence à prendre un peu forme. Donc là, j'ai replié tous les cartons qui étaient pliables là et là. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à vider un peu cette zone-là pour que monsieur puisse me glisser le meuble, parce qu'il est hyper lourd, hein, c'est le meuble rouge là. Là. Bah, à la base, il n'était pas rouge, hein. C'est mon beau-père qui l'avait repeint, mais c'est le meuble de mon grand-père. Il y a une vitre qui est pétée. Mais j'arrive pas à m'en séparer parce que c'est le meuble de mon grand-père, tout simplement. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Si, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'étais fatiguée pour la vidéo. Je sais plus quelle vidéo je vous ai dit ça. Mais je suis floute, non? Je suis toute floute. Voilà, c'est mieux. En fait, on a fait sortir les chichous à 1h30 du matin. On les a pas fait sortir le soir puisque monsieur s'était endormi comme un gros caca. Et du coup, ils râlaient, ils ont foutu un bordel monstre dans la cage. Et là, du coup, on les a fait sortir de 1h du matin à 3h. Donc, mais c'était génial parce qu'ils couraient vraiment partout. C'est vraiment l'heure où ils sont hyper actifs. Donc, c'était génial. Hier, je les ai fait sortir de 10h à 11h30. Et pareil, ils étaient super actifs. On a bien rigolé. Ils ont bien écouté, pour une fois. Par contre, gros goût est jaloux, mais à mort. Je peux pas appeler une des filles parce qu'il rapplique tout de suite. Il m'a mordu la douille parce que je caressais Queenie quand même. Non, mais l'enfoiré. Bref. Bon, allez, j'ai préparé ce qu'il me faut avant que le facteur arrive. J'irai faire mon teint avant que le facteur arrive. Et je vous reprends tout à l'heure après le montage. Comme ça, la vidéo, elle tente de prédire puisque c'est pour le jour même. Et on rangera encore un petit peu ici ensemble. Voilà. Alors, il est 11h50. Ah, c'est pour ça que j'ai faim. D'accord, j'ai compris. Oh, mes carreaux sont dégueulasses. À chaque fois que je vous prends ici, je vois à quel point ils sont dégueulasses. C'est un truc de fou. Avec les éclairages, je vois plus les traces. Donc là, je viens de tourner la vidéo avec celle-ci. Donc, je vous la remets en barre d'infos. Et voilà. Donc, pour avoir mon avis, il faut aller voir dessus. Là, je vais donc aller manger parce que j'ai la dalle. Faire le montage de cette vidéo puisque je vous la publie le jour même. Donc, il y a du boulot. Ensuite, je vais tourner ma rotation make-up du moment parce que j'ai envie de changer un petit peu mes produits. Voilà. Et après, sieste ou pas sieste, je ne sais pas. Si c'est pas sieste, ça sera rangement. Si c'est sieste, ça sera rangement après la sieste. Tout simplement. Voilà mon petit programme de la journée. La priorité maintenant au montage et tout ça. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire.
Je crois pas. Non, je vais faire pipi. Ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Voilà. Bon, j'ai nettoyé mes carreaux. C'est déjà une chose de faite. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Oh. J'en peux plus d'avoir des choses à faire. Donc j'ai envie de rien faire. En ce moment, j'ai envie de rien faire. Enfin non, parce que je dis ça, mais j'arrive pas à rester sans rien faire. J'ai tout le temps envie de filmer. De toute façon, au pire, la rotation, si c'est pas je la tourne pas aujourd'hui, ça sera demain, c'est que pour la semaine prochaine, donc la semaine qui vient pour vous. Et voilà. Donc j'ai mis mes petites extensions holographiques et les biches bleues. La couleur de ce bleu est magnifique. Magnifique. Je vais devenir accro. Je crois que j'aurai des mèches colorées dans mes cheveux à chaque vidéo. Je me demande même si je vais pas en recommander deux de chaque pour mettre quatre, en fait. Enfin, mettre deux de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on les voit un peu plus parce que c'est un peu discret. Donc, je sais pas. On verra bien. Bref, donc, ben, écoutez, moi je descends, je vais recharger ma batterie aussi, manger, faire pipi, montage, et on verra après si je vous reprends ou si je vais dormir. Alors, il est 17h, je vais ranger un petit peu le bureau en attendant que je vais faire de la place juste pour que Chéri puisse me bouger mes meubles. J'aimerais bien qu'il me le fasse ce soir, c'est pas gagné, mais j'aimerais bien. Comme ça, je peux demain ranger dans l'armoire. Donc, je vais déjà virer les paniers et tout ça, et mettre tout ça de l'autre côté de mon bureau. Donc, je pourrais pas faire de vidéo demain. Ça m'embête un peu, mais ça va, je suis pas en retard. Donc, mais j'avais envie, mais je peux pas. Voilà, on peut pas tout faire. Donc, je vais déplacer tout ça de l'autre côté. Walking on a straight line through the madness. Everything around me, oh, it fades away. Je pense que maintenant parlait de bordel. Attendez, je vous montre ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, je sais même plus où mettre les pieds. Mon petit bordel, il y en a partout. Voilà, voilà. Bon. Écoutez, c'est déjà pas mal ici. Hein. Ça avance petit à petit. Donc là, je vais aller chercher une loque pour donner un coup de poussière sur l'étagère et mon balai pour donner un petit coup de balai par terre. Et voilà. Après, il faut que j'attende monsieur. Voilà, monsieur m'a bougé le meuble et du coup j'ai mis les étagères dans ce sens-là. Donc vous voyez mes éclairages, hein, je suis désolée, mais voilà. Je vais peut-être essayer pour avancer un peu. Je ne sais pas où vous posez d'autres, donc on fait comme on peut. Et j'ai dû la mettre dans l'autre sens, l'étagère, mais bon, comme c'est principalement pour ranger les cartons, c'est pas très grave. Alors avant de ranger le linge, ça en fera demain parce que je commence à avoir mal au ventre. Je vais juste ranger les cartons ici en dessous, déjà. J'ai deux jeux de société, ils sont là. Voilà. Et ici devant, je vais mettre mes ventes, tout ce qui est make-up et tout ça. Je pense que c'est pas plus mal. Ça, je sais où. Voilà. Bah écoutez, on est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, ouais, j'avais dit que je mettrais tout ça dans les tiroirs en dessous, les produits de beauté, mais finalement, ils sont très bien là. Donc, voilà. Écoutez, le reste, on fera demain.
Parce que là, j'aimerais bien plier tout le linge et ranger au moins celui qui est dans les paniers, dans les sacs. Puisque j'ai les deux caisses là, qui n'ont pas besoin de bouger. Donc, on est pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je suis contente. Ça fait un peu plus d'espace déjà. Et une fois que le plan de travail là sera parti, ça sera encore mieux. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'ai juste passé un coup de balai là en dessous de la garde-robe. Et puis voilà, on sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour achever de ranger tout ça. Mamie Cachou, j'espère que tu es déjà fière de moi. Hein, je vous rappelle que je me suis fait opérer il y a moins d'une semaine quand même. Hein, donc, voilà, merci. Allez, on switch. Alors, vous allez entendre couiner, c'est la chaise de monsieur. Il est 9h20 et là, j'essaye de faire sortir un peu plus tôt les chichous, mais ils sont pas motivés du tout. Croco est en train de se réveiller, la petite est en train de téter, donc Cluny va pas sortir tout de suite. Et voilà, Croco se décide un peu. Attendez, je vous montre. Bonjour, tu dis bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens, avec le flash dans la tronche. Hein, tu viens après maman? Tu viens? Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Mince, ça devrait le faire. Dis, tu sais sauter, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle vient là. Tu viens? Tu viens près de maman? Elle vient? Elle saute? Bon, je sais pas ce qu'il fait. Il va encore faire dans la complication. Il a une porte en dessous, hein, mais bon. Tu viens, coucou? Robo? Hey? Mister? Ah, ça y est. Ça y est, tu sors? Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de vous montrer quand ils prennent le bain, surtout la petite, c'est trop marrant. Voilà, il va aller se planquer derrière la cage parce que les filles sont pas dehors. Petit gougou. Qui le pipé à sa maman? Hein? C'était qui le pipé à sa maman? Voilà, et il court comme ça. Et il fait des conneries après. Je vous reprends quand ils sont dehors tous les trois. C'est marrant de les voir tous les trois jouer. Bonjour, coucou. Bonjour, coucou. 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 Bonjour, maman. Et tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Oh, qu'est-ce que tu fais, mon petit loulou? Qu'est-ce que tu fais? Non, descends. Descends. Queenie va nous rejoindre dans 3, 2, 1. Ah bah non. Tu viens? Queenie, elle vient. Elle vient près de maman. Juste oui. Elle vient. Queenie. Queenie. Tu viens, Louloute? Voilà. Elle est partie derrière la cage. Et normalement, Luna ne devrait pas tarder. Et comme je parle à Queenie, Grogu vient faire le jaloux. N'est-ce pas, Grogu? Qui sont les loulous? Les bébés chichous. Qui sont les bébés chichous? Grogu, fais gaffe à ce que tu fais, hein. Viens par ici. Ah, bah, t'es déjà là. Aïe, mais qu'est-ce qui est con? Il m'a froncé dessus. Queenie? Attention. Il y a bébé Luna qui débarque. Luna, petit pépé. Quel est tes petits pépés? Ah, coucou. Petit pépé Luna. Bonjour ma fifi. Bonjour ma fifi. Gros jaloux là. Hein? Il est en train de me coller. Petit pépé Luna, tu montres aux gens comme tu sais sortir? Je suis à plat ventre par terre, quasi, là. Je suis vachement bien installé pour filmer, il faut dire. Tu sors ou tu sors pas? Bébé Luna! Que t'es ma nénette? Ah non, elle mange de la branche. Une cuillère là-bas qui fait une bêtise, qui mange au mur. Et Grogu, je sais pas où il est. Grogu! Ah, si, il est sur moi. Ah, mais... Ah, oh. Ah, bébé Luna!
Petit petit bébé Luna. Grogu, Queenie par ici. Allez, Grogu. Ah, il est derrière. Ils se font des bisous. Puis elle va l'attaquer après. Parce qu'elle attaque ses parents. C'est une charogne d'être petite. Alors, il est 14h30. J'ai traîné toute la matinée. Là, je vais vous prendre un peu avec moi pour ranger les ventes vintage dans l'armoire. Le linge, du moins. Donc, il faut déjà que je sorte tout ça. Alors, on n'a pas beaucoup de place pour bouger. Je vais essayer de dézoomer, peut-être. Non, pas zoomer. Non, ben, j'arrive pas à dézoomer. Donc, tant pis pour vous. Bon, ça, c'est mon... Comment ça s'appelle? Mon acétone. Bon, pour l'instant, je vais mettre ça par ici. Oui, donc, j'ai passé la matinée à discuter avec les filles sur Insta. On s'est appelé avec Amy déjà le matin. Et puis... après, on discutait tous les quatre. Voilà, voilà. Oh. Voilà, j'ai fait la place. Alors déjà, dans le fond, je vais mettre les pantalons. Je vais les bouler, peut-être. Ce sera plus simple. Alors, vous n'allez pas tout bien voir, mais tout bien voir. Je parle de mieux en mieux le français. C'est un truc de fou. Je vais mettre les jeans d'un côté et les classiques de l'autre. Je vais peut-être essayer de vous baisser un peu. Voilà. Et bon, là, j'ai la porte qui me gêne. D'ailleurs, chérie doit aller déposer deux collines. Hein. Ceux-là, je n'arriverai pas à les bouler, par contre. Donc, les classique, on va juste les plier. Donc pour ceux qui font des achats fringues sur mon Vinted, sachez que comme il y a des animaux et qu'on est maison fumeur, n'oubliez pas de passer les vêtements à la machine. Je le note à chaque fois hein, sur les papiers maintenant parce que les gens sont un peu cons parfois. C'est marqué dans mon... Comment ça s'appelle ? Dans la bio de mon truc. Mais il y a encore des gens qui se plaignent parce que ça sent la fumée de cigarette. Donc je leur dis de bien les passer à la machine. En même temps, hein, on est censé, quand on récupère des vêtements, les laver. Mais c'est pas donné à tout le monde de réfléchir. Au-dessus, je vais mettre pull, t-shirt, chemise, tout ce genre de trucs là. Voilà, ça sera plus facile à trouver ce que je dois. Je pense que je vais quand même mettre le... Comment ça s'appelle ? Ce que j'ai dans ma caisse. Ça devrait rentrer. En forçant un peu, mais ça devrait rentrer. Alors, j'ai aussi toutes des petites pochettes, sacs à main et tout ça que je vais mettre, dans le tiroir du dessus. Voilà, le jeu PlayStation, je le mets là aussi. Ben voilà, il me... Attendez, je me remonte un peu. Il me reste deux gros sacs de linge plus hiver, donc je les mettrai fin septembre, je pense, sur une tête. Donc je ne sais pas où je vais les foutre, je pense que je vais les foutre là dans le coin. Ouais, bah écoutez, on est pas mal, non? On est vraiment pas mal. J'ai deux sacs à main encore à mettre. En vente,
Je reste en même temps que qu'après le décloteur. Parce que j'aime bien prendre une journée complète pour Vinted, mettre toutes mes ventes et tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais achever de ranger sans vous. Je vais mettre tout ce qui est dans mon bac en plastique. Enfin, je vais essayer de mettre le maximum. L'autre bac, c'est les chaussures, donc je vais les laisser dedans. Ça fait gagner un peu de place et voilà. Et je vous montrerai lundi dans le prochain vlog ce que ça aura donné ce coin-ci, comme ça j'ai le temps. Après je fais une petite pause et après je donnerai un petit coup par terre et je pourrai commencer à ranger un peu mon bureau. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vais conclure, je sais plus ce que je raconte. Bois un coup de café cocotte. Je vais clôturer le vlog ici. Ça fait déjà vachement plus grand. En fait, l'armoire, là, comme elle était en face de la fenêtre, ça me bloquait un peu la luminosité. Et ça rétrécissait la pièce. Tandis que là, c'est le coin sombre de toute façon de la pièce. Donc, elle gêne moins. Et je pense qu'il faut que je range ici aussi maintenant. Donc, je ne sais pas quand. On verra. Je crois peut-être ça ce week-end. Dommage, j'aimerais bien tourner les 3 vidéos de la semaine. Comme ça, je suis tranquille. Puisque c'est... Je vais faire une palette à make-up, comme ça je suis maquillée pour les 2 autres vidéos, puisque c'est la rotation et le décloteur. Donc j'ai pas besoin de filmer plusieurs make-up sur la semaine, donc comme ça j'en fais que un. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une palette à make-up, et j'espère que ça sera une ancienne palette qui va un peu ressortir. Et comme ça je pourrais filmer les 2 autres à la suite, ce sera pas mal. Et voilà, fouiller un peu pour essayer de ranger mes trucs de déco, là, trouver des cartons et tout ça pour les ranger. Enfin, des cartons j'en ai, hein, mais des belles boîtes, je veux dire. Pour ranger ça et mes décos de Noël, je vais les stocker ici derrière. Et voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là pour ce vlog, donc j'espère qu'il vous aura plu. C'était beaucoup du rangement hein, cette semaine et beaucoup les chichous. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le vlog vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Le programme, donc je vous l'ai donné, lundi ça sera une palette, un make-up, mercredi ça sera la rotation make-up, et vendredi le décloteur, samedi normalement un live si tout va bien, et dimanche le weekly vlog. Voilà, donc vous aurez quand même 5 vidéos. Et le live, on va quand même essayer de se le faire. Je voulais vous le programmer pour ce samedi, mais je suis pas trop en forme. Impressionnante. Mon fils qui m'envoie un message impressionnante. Ah. Il y a une de ses copines qui a demandé si c'était moi en partageant une de mes photos à Enzo. Elle a marqué c'est ta maman. Il a répondu oui avec des petits cœurs. Elle est trop belle. Elle est impressionnante. Ta maman, il marque mort de rire. Elle est toute petite, toute frêle. Mais elle parlait d'impressionnement parce que je suis trop douée. Oh. Donc là, il me marque, je vais marquer, c'est parce que je suis doué, oh, casse-couille, ouais, qui m'a répondu, donc je lui ai répondu, trouduc. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. En attendant, donc, on se retrouve de toute façon demain avec la vidéo bonus, une palette, un make-up. Et en attendant, moi, je vous dis, bisous, bisous.